Pourquoi la reine Elisabeth aurait été une cord cutter? La reine Elisabeth est sans doute la plus grande nerd britannique de tous les temps. Bien avant que le commun des mortels ne découvre les emails, la reine Lizzy envoyait déjà des chaînes de lettres numériques, et ce dès 1978. 9 ans plus tôt, elle avait même laissé un mot sur la Lune. Mais c'est son couronnement en tant que reine qui a eu le plus d'impact sur l'humanité. Le premier couronnement britannique, retransmis en direct, a été suivi par 20 millions de personnes dans le monde entier. Et c'est ça qui a contribué à faire connaître la télévision en tant que média. Sa royale nerditude, la reine, est toujours restée à la pointe de la technologie. Qu'il s'agisse d'appels vidéo, de réseaux sociaux ou de streaming. Et en tant que coupeuse de rubans professionnelle, elle était naturellement une adepte du cord cutting. Vous ne pensez quand même pas que la reine aurait accepté de payer un supplément pour regarder The Crown sur Netflix? Le cord cutting consiste à résilier votre abonnement TV payant. Vous pouvez ainsi couper le câble et vous débarrasser de votre décodeur. Vous avez bien entendu besoin d'une Smart TV ou d'un appareil de streaming comme Chromecast que vous connectez directement au port HDMI de votre télévision ordinaire. Vous pouvez également regarder la télévision en streaming depuis votre ordinateur portable ou votre smartphone. Vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, Disney+, sont disponibles sur votre télévision et vous pouvez regarder gratuitement RTL Play ou RTBF Audio. Pour l'une des personnes les plus riches au monde, cela ne représente pas grand-chose. Mais le cord cutting vous permet d'économiser plusieurs centaines d'euros par an. Vous n'avez plus besoin d'un abonnement TV payant et vous ne devez plus payer pour la location de votre décodeur. Et le meilleur de tout, vous pouvez regarder la télévision sur tous les écrans de votre palais de Buckingham, de votre TV à votre smartphone. Envie d'en savoir plus sur le cord cutting? Eh bien, consultez notre site web mobileviking.be.